je sais, j'ai de l'air très, très, très magané, là. Il y a quelques petites nuits blanches derrière la cravate, mais c'est pas grave. Je voulais vous partager 12e épisode de Carnet de rang. Je vous l'avais dit, on allait revenir sur le lait cru, là, c'est vrai, là. Alors, je suis allé à Keysville, New York, à la North Country Dairy. Non, c'est pas vrai. La North Country Creamery. Il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est à Keysville. C'est pas tellement loin. Pour ceux qui connaissent le coin, là, c'est dans le coin de O'Sable Chasm, là, l'espèce de canyon où est-ce que tout le monde va l'été, là, puis il y a un camping pas tellement loin, là. Mais c'est dans la zone rurale. C'est pas tellement loin de la rivière O'Sable. C'est une petite ferme. Pas beaucoup de vaches, une douzaine à peu près, là, je me souviens plus exactement. Mais je veux juste vous dire, les gens qui ont des craintes, là, regardez-moi ça, là, c'est pas magnifique ça. Mmh, il faut que j'en boive. Mmh, c'est très bon, vraiment. Alors, vous allez voir, là, je m'en vais, c'est une espèce de road trip, je m'en vais directement là-bas, j'ai fait ça il y a quelques jours. Et je vais aller acheter du lait, du fromage aussi, de lait cru. Il y a du yogourt aussi qui est tellement bon, c'est magnifique. Et c'est ça, c'est un genre à peu près maçon de 2 litres. Alors, ils vendent ça 8 piastres pour le lait cru. Le fromage, c'est à peu près 10-11 piastres là, pour la petite meule là, triangulaire. Puis le yogourt, je pense que c'est 3 piastres, mais ça vaut vraiment le déplacement. Puis c'est ça que la personne me disait, elle dit, c'est tellement ridicule que vous n'ayez pas ça au Québec, là. Vous savez qu'il y a des inspections aux 3 semaines au niveau du contrôle du produit, là, des inspecteurs de l'État de New York qui se déplacent, là. C'est pas de l'inspection volontaire, là. Et ensuite, il y a aussi une inspection sanitaire des lieux à tous les mois. Alors, tu sais, quand c'est réglementé, c'est sécuritaire, là. Il n'y a personne qui est décédé, là, d'avoir bu du lait cru ou des produits de lait cru dans l'État de New York. Alors, je vous laisse écouter ça. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne dégustation. Bon, ben on approche du lait cru dans 1,3 000. On est arrivé, les amis. J'ai hâte de voir ça. Tournez à gauche. Ta gueule! Qu'est-ce que c'est ça? Viens! Je suis plus capable. Oui, c'est correct, mais je suis plus capable d'entendre parler français. Je suis plus capable. Elle arrête pas de parler français. Tout est en anglais, mais elle continue à me parler en français. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Dans 900 pieds. Oh! Ben, mes chers amis, vous allez trouver ça bizarre, hein? Mais attendez une minute, je vais aller mettre ça dans le camion, je reviens. Hein? C'est-tu bon, ça, à peu près? Alors, je suis chez Clovermead Café. C'est un magasin fermier, là. C'est une boutique à la ferme. La ferme est juste à côté, ici, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais les vaches, ils ont à peu près 10-15 vaches, pas plus, là. C'est pas de la production laitière de grande échelle, c'est vraiment à petite échelle. Et j'ai acheté du fromage, du yogourt de lait cru, j'ai acheté aussi du lait cru. Ah oui, ça se vend pas cher. Je vous dirais, ça se vend à peu près, je pense que c'est 8 piastres plus 2 piastres de dépôt pour le pot. Alors, c'est pas si mal. Et là, on va faire la dégustation en direct. C'est tout frais, là, du frigidaire. On me dit que c'est encore bon pour 4 jours. 4-5 jours à garder au frigidaire. Il y en avait du très frais, là, qui sortait du pied de la vache. Mais là, j'ai dit, écoutez, madame, donnez-vous pas tout ce trouble-là. Fait que là... Ah ouais, elle m'a dit qu'il fallait le brasser. Fallait le brasser! Hop! Hop, 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 hop! Wouhou! Bon, maintenant, ça devrait être assez brassé.
Ça, là, quand j'étais petit, chez ma tante Georgette, dans le rang Saint-Paul, là, elle était à terre avec la chaudière, là. Puis là, elle trayait la vache, puis là, elle me donnait un petit container, puis là, après, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ça. Ah. Hmm. Vraiment, là, ça a pris une petite heure sans venir ici, mes amis. On est à Keysville, New York, dans Upstate New York, pas tellement loin de Plattsburgh. Si vous descendez de Montréal pour vous chercher du lait cru, ça vaut le déplacement, c'est tellement bon. Vous prenez la 15 Sud jusqu'aux frontières de la colle. Après, vous prenez la 87, hein, vous continuez tout droit, la 87 Sud. Vous sortiez à la sortie 35, Port Kent. Et là, vous suivez les indications là, sur votre GPS. Mon Dieu que c'est bon, j'en reviens pas. Écoutez, là, je vais aller me faire hein, du petit fromage. Peut-être, je sais pas, mais c'est sûr que je me fais du yogourt, même si j'en ai acheté. Alors, voyez, le lait cru, ça fait pas mourir. Quoique, peut-être que dans 3 jours d'ici, vous serez à mes funérailles. Mais je vous le dis, mieux vaut mourir heureux avec du lait cru que de vivre malheureux avec du lait homo. Merci, les amis. Bye-bye.